Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, il est 9h17 et je suis coiffée. J'ai fait mes soins et je suis coiffée pour aller tourner une vidéo Halloween. Sauf que... Ryan n'a pas encore fini sa poulette. Alors ça, c'est incroyable. J'attends un colis Chine, malheureusement pas celui avec le coffret, je pense que je l'aurai que demain. Donc je vais pas les filmer avant que le facteur vienne. Parce que l'année dernière il jugeait, mais c'était délire. L'année dernière, mais il arrivait à chaque fois que j'avais pas fini. Je lui ai dit il faut repasser dans une heure quand j'ai fini. Voilà, mais bon, comme ça, je peux après tourner tranquille. Tout le monde est parti. Je suis enfin au calme. Puisqu'il y a Chat qui était là, donc la copine d'Enzo qui était là depuis plusieurs jours. Donc, il n'y a pas de calme quand elle est là. Donc, tout le monde est parti et je suis enfin au calme. Donc, du coup, ça va... Je vais en profiter pour... je vais profiter du calme, tout simplement. Attendez, je m'arrache mon long poil que j'ai toujours. J'ai toujours un long poil noir ici sur le bras. Alors, mon week-end, déjà, pour commencer. J'ai pas fait grand-chose à part filmer. J'ai installé mon fond d'Halloween. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure. Parce que... vous l'avez déjà vu logiquement dans la vidéo avec la collection de Shiglam. Puisque je vous ai fait un sondage pour voir si je mettais, si je cachais le fond ou pas, et tout le monde a envie de voir le fond. Donc vous l'avez déjà vu. Donc je vais aller vous montrer comment j'ai installé et vous donner quelques petits détails. J'ai fait un DIY d'ailleurs pour mettre dans mon fond. De toute façon, tout ça je vous explique après. J'ai préparé aussi les DIY de Noël. Oui. Il n'est jamais trop tôt. Après, les vidéos de Noël aussi, je commence à les tourner mi-novembre. Hein, voilà, pour que vous puissiez en avoir une par jour, il faut que je bosse. Ensuite, j'ai collé les faux ongles Shiglam Chine d'Halloween. Alors, j'aime vraiment pas quand ils sont collés avec des stickers. Du coup, j'ai rechangé hier. Et ce matin, je vais de recoller les strass parce qu'ils s'étaient cassés la gueule. J'avais pas mis assez de base. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Voilà, j'aime beaucoup. Et ça reste dans le thème. Et voilà, avec les strass là, ça fait un petit effet, je sais pas, monstre, citrouille, je sais pas trop, mais j'aime bien. Le samedi, j'ai réussi à tourner deux vidéos d'Halloween. Ouais, j'en ai tourné deux, il me semble. Une ou deux. Ouais, il me semble que j'en ai tourné deux. J'en ai retourné une fin d'après-midi. J'ai fait le montage des deux vidéos. On a fait les cages avec Chéri, les deux cages à fond. Là que le chien va rentrer. Et voilà. Attends. Le dimanche, j'ai refait une vidéo et le montage. Et j'ai refait donc mes ongles. Et j'ai fait un choker avec ce tissu. Je l'use jusqu'à la moelle. Donc voilà. Et je trouve que ça rend très bien pour les fêtes. Ça va être top ça. Voilà. Je suis contente. Il me reste vraiment plus que des rikiki chutes que je n'ai pas utilisé hein, de ce tissu là. Je l'ai vraiment utilisé jusqu'au dernier centimètre carré. Je suis trop contente. Bien sûr, je vous fais des petites choses pour mettre dans le concours de Noël, hein, mais je ne vous dis pas quoi. Vous aurez la surprise au fur et à mesure. Si vous suivez mes vidéos, vous aurez peut-être des idées. Et si vous ne les suivez pas, bah, vous aurez la surprise. Voilà. Je vais ouvrir mon chien. Qu'est-ce que je disais? Ouais, vous aurez la surprise. Après, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, donner à quelqu'un à qui ça pourra plaire. Mais voilà. Donc, je prépare ça également. Et, ça fait plusieurs jours que je teste une crème de chez Action. Donc, c'est une crème hydratante hein, pour tout type de peau. Sensitive Face Cream de chez Alvera. Je ne vais pas faire la caisse. Il veut pas. Hein. Ah, si, ça y est. Ouais. Donc voilà, c'est celle-là. Et franchement, elle est super bien pour le prix. Je ne sais plus combien est-ce qu'elle coûte, hein, mais elle coûte vraiment pas cher. Et elle est très bien. Elle n'a pas d'odeur. Elle sent juste un peu la crème. Ouais, c'est très léger.
Et franchement, elle hydrate bien. Je suis contente. Voilà, ils n'en disent pas plus. Elle est végane, testée dermatologiquement. C'est pour les peaux sensibles, un format de 50 ml. Je suis bien contente. Pour le prix, elle est vraiment très chouette. Voilà pour ça. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Je réfléchis, hein, mais je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Non. Donc je vous reprends tout à l'heure quand je monte pour filmer ma vidéo. Je vous reprends pour vous montrer le fond. Et je vous montrerai aussi ma petite commande Chine. Donc c'est pas celle avec le coffret, c'est la deuxième que j'ai passée juste après. Donc je reçois la deuxième avant la première. On cherche pas à comprendre, hein, mais voilà. Et c'est tout pour l'instant. Bon, bah, il est 10h et le facteur est déjà passé. Voilà, j'ai eu le temps d'aller faire caca, j'ai eu le temps de me refaire un café, de fumer une clope et tout. Et je vous filme ça. Alors, il n'y a pas grand-chose. Il y a trois produits pour moi et deux pour vous. Je vous montre pas, je vous montrerai quand j'aurai reçu le mien. Je vous ai pris, comme ça, je les laisse emballer pour pas que pendant dans le trajet, quand j'enverrai les lots. C'est les highlighters Tim Burton, les noces funèbres de Chigam. Voilà, donc je vous montrerai bien quand j'aurai reçu le coffret, j'espère demain, pour pouvoir tourner la vidéo. Et j'ai recommandé, en fait, après avoir commandé le coffret, j'ai reçu celle-ci avant, pour ces deux palettes-là, de blush. Voilà, j'ai déjà la rosée, qui est, je ne sais plus le nom. Amy, elle, est là, celle-ci, la Private Cabana, et elle l'aime beaucoup. Et chaque fois que je la vois l'utiliser, je dis, ah, il faut que je me la commande, et puis à chaque fois, j'oublie. Mais là, du coup, je me la surprise. Donc, les packagings sont canons. Et voilà les teintes. Donc, j'aime beaucoup. L'autre, elle est dans les teintes rosées. Celle-ci, elle est plus dans les teintes orangées. Et c'est vraiment des teintes que j'aime bien. Je veux dire, vous prenez les trois palettes-là. Elles sont à 4,99€, je crois. Plus les réductions que vous pouvez trouver à droite à gauche. Si vous prenez les trois palettes, vous avez 9 teintes de blush. Je surveille parce que les titis ont... Hier, Chéri a pris la pochette des Titi sur lui. Et du coup, Sky a changé les bébés de place. Donc maintenant, ils sont dans le hamac. Mais le hamac, ils ont plus facile à sortir. Donc je surveille parce que c'est des petits fugueurs déjà. Et j'ai pris celle-ci. Donc elles font un poids de 18 grammes. Donc ça fait 6 grammes le blush. Franchement, c'est très bien. Et celle-ci, c'est la Sunset Cries. Donc les couleurs font un peu peur. Hein. Voilà, surtout celle-ci. Celle-ci, je ne suis pas sûre. Faudra que je la teste. Celle-ci, j'adore ce genre de teinte que j'aime beaucoup pour l'automne. Celle-ci est très discrète. Au pire, si celle-ci est vraiment trop foncée, soit j'utilise pas et j'utilise les deux autres si elles me plaisent vraiment. Ou alors, je donnerai la palette à ma belle-sœur qui a la peau noire. Donc, elle, ça ira très bien. Mais sur les visus du site, c'est quelqu'un à la peau claire qui les utilise. Donc, voilà. Et pour les frais de port gratuits, je me suis pris une housse de coussin pour noyard. Il n'est jamais trop tôt pour penser à noyard. Oh, elle est douce. Oh, elle est super douce. Et c'est une marquée Merry Christmas avec un Bambi. Voilà. Donc c'est le même que j'ai sur mon pull que je mets tout le temps. Ensuite, là. Et voilà. Vu que j'ai un coussin dans cette taille-là, quoi qu'il sera peut-être un peu plus petit que le truc, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je mettrai des petites pressions pour le fermer correctement ou je le plierai, je ne sais pas. Mais c'est très beau. Et il y a une zipette pour l'ouvrir et le rembourrer. Donc voilà, j'ai pris ça pour Noël pour mettre dans mon canapé juste ici. Et je me fais engueuler en plus. Eh ben, c'est des sauvages. Ah, les petits bébés ont les yeux ouverts. J'essaierai de vous les montrer dans la semaine. Ça y est, ils ont ouvert les yeux. Et hier, quand je les ai récupérés, parce que je les reprends toujours un peu sur moi quand quelqu'un d'autre les prend, j'aime pas partager mes bébés. Et du coup, la petite Suzy me grimpait dessus. Voilà, elle venait me faire des gâteaux, elle venait se mettre dans ma main pour me faire des gâteaux, c'était trop choupi. Et pendant ce temps-là, Sky me léchait parce qu'elle était jalouse. Bon, moi je vais aller tourner du coup au moins une vidéo. Vu qu'il est tôt, je pense que je pourrais peut-être enchaîner une deuxième. Faut voir. Là j'ai commencé le montage de la vidéo couture d'Halloween parce que je dois faire la voix off. Donc c'est très long à faire, très long à monter et c'est la première qui sort. Donc il serait peut-être temps que je m'active, sauf que ben, faire la voix off avec le poêle allumé, c'est galère. Donc je pense que je ferai la grosse partie du montage et que je ferai la voix off après ma sieste, vu que j'éteins toujours le poêle pour la sieste.
Donc voilà, si je vais à la sieste, parce que je vais peut-être profiter du calme, parce que j'ai eu plusieurs jours sans calme là, et j'ai envie d'un peu de calme. Voilà, donc je vous reprends en haut pour vous montrer le fond au téléphone, et moi je vais filmer, donc après ça on pourra switcher de jour. Et donc voilà mon petit fond d'Halloween, je suis trop contente, ça donne trop bien. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Alors ici, pour commencer, on a les petites citrouilles que j'ai fait moi-même. Voilà, j'adore. Ça c'était la palette Sisi. Ma petite lanterne, enfin normalement c'est un seau, il s'allumait dans le temps mais il ne s'allume plus. J'ai fait des petits chapeaux, encore des citrouilles que j'ai fait. J'ai mis cette lanterne là que j'adore, normalement elle est dans mon salon. Hein. Et du coup j'ai customisé la bougie, donc c'était une bougie blanche de base. J'ai fait couler de la colle chaude sur le pot aussi. Donc c'est une autre bougie à trois mèches, mais les mèches ne ressortaient pas, enfin les flammes ne ressortaient pas assez. Donc j'ai eu l'idée de mettre celle-là par-dessus. J'ai mis un papier d'alu pour pas que ça coule dans l'autre. Ici, on a mon autre lanterne. Donc, normalement, il y a Stitch hein, de l'autre côté. J'ai juste collé une photo de chauve-souris. Il y a deux bougies dedans qu'on voit pas bien, mais il y a une orange et une blanche. Ici, on a le petit fantôme que je n'allume pas parce que, voilà, comme il clignote, enfin, il change de couleur, ça fait moins joli. J'ai mis un autre chapeau et ma bougie. J'ai mis, du coup, le serre-tête là, puisque j'ai fini de tourner cette vidéo. Ici j'ai gardé le truc Game of Thrones parce que voilà c'est noir, j'ai mis juste ça, les petites citrouilles là et une citrouille ici, et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je trouve ça très chouette avec les lumières oranges, ça donne trop bien. Voilà, donc vous verrez ça pendant les vidéos d'Halloween ce que ça donne, mais j'aime trop. Donc il est 7h37, il est très tôt et je suis en train de faire mon teint parce que je me prépare vu que je reçois le coffret Shiglam aujourd'hui et que je dois filmer et poster la vidéo aujourd'hui. Donc je me prépare déjà et après en attendant le facteur, ben, je vais nettoyer. Et voilà, donc genre je viens de partir à l'école. Et je me suis dit que j'allais vous prendre pour tester un des blushs ici, principalement le plus foncé je pense. On va le tester tout fuite, comme ça je sais, parce qu'il m'intrigue celui-là. Donc c'est parti, je vais pas en prendre de trop parce que comme il est quand même assez foncé et que et je sais qu'ils sont super pigmentés. Ah bon, oh, je peux en mettre plus, nickel. Oh, il est beau. Oh, il est super beau, j'adore la teinte. J'ai pas d'équivalent de cette teinte là. Ah, je suis contente. Oh, je pense que je vais vous en recommander deux pour mettre dans le concours de Noël. Oh, j'adore. Bon, je ne vous prendrai peut-être pas celle-là parce que c'est peut-être pas assez discret pour tout le monde. Mais je pense que je vous prendrai une rosée et une orangée. Bon, là, ça fait très marqué. On va estomper, mais franchement, ça passe crème. Hein. Bon, après, je suis très blanche en retour écran, là. Oh, j'adore. Oh, il est beau. Oh, il est super beau. Oh, je suis contente. Donc là, je vais faire ce que j'ai à faire en attendant le facteur. J'espère qu'il va se pointer aussi tôt qu'hier et pas en retard. C'est souvent... quand, en principe, quand je dois filmer le jour même, il est en retard. C'est souvent comme ça. Donc, comme ça, j'ai plus qu'à me changer, mettre ma base à paupières. Là, je vais fixer mon teint pour être sûr qu'il tienne jusqu'à ce que j'ai fini de nettoyer. Et voilà. Ce matin, je me suis réveillée à 5h30. Je dors super mal. Ça fait quelques jours que je dors super mal. Après, c'est à pleine lune, donc ceci explique cela. Et ce matin, à 5h30, les titis ont voulu sortir. Mais un bordel. Un bordel. Ils n'écoutaient rien. Le chien voulait jouer avec eux. Ils gueulaient sur le chien. Ils attaquaient le chien. Ouf, c'était compliqué.
Donc là, ouais, je vais commencer par nettoyer et puis comme ça, j'ai plus qu'à attendre le facteur. Tout est prêt. Je suis déjà coiffée. Bon, là, je les ai rattachés le temps de brosser mes dents et de faire mon teint et de faire le ménage. Et puis voilà. Je vais vous reprendre de toute façon après parce que je reçois mon tissu de Noël aussi en partenariat avec Mondial Relais. Hein. Mondial Tissu, mais bordel, à chaque fois j'ai Mondial Relais. Et comme ça je vous montre le reste de ma commande Shein, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà. J'avais principalement commandé le coffret. J'ai commandé un truc pour faire un crash test bouclette cheveux. J'ai commandé un truc. Ranger mes pinceaux, enfin vous verrez quand j'aurai reçu. Voilà. Donc je vous reprends quand le facteur est passé et que j'ai fini de tourner ma vidéo parce que priorité à la vidéo quand même. Alors, il est. Attendez, je vais mettre un petit peu de loupiote quand même. Hein. Oh, trop de loupiote. Il est. Oh, midi 18. J'ai faim. Là, je vais faire mon montage en mangeant pour la vidéo de ce soir qui sort ce soir. Donc, je viens de tester le coffret chez Glam. Je vais y revenir juste après. Non, je vais y venir tout de suite. Donc, ma commande Shein. J'ai reçu ma commande Shein et mes tissus de Noël et le cadeau d'anniversaire de ma nièce. Donc, je vais tout vous montrer. Donc, le coffret, il se présente comme ça. Je vous remets la vidéo en barre d'infos. Et voilà, vous avez qu'à aller voir. Là, la partie au-dessus, vous avez les trois fards. Crème, le baume à lèvres, la palette. Et sur l'étage du dessous, vous avez l'highlighter, les trois rouges à lèvres et les fossiles en cadeau. Le rouge à lèvres rouge, comme j'ai dit dans la vidéo, je vous le mets de côté pour le concours de Noël, puisque moi je ne l'utilise pas. Mais les deux autres sont sublimes. Ceci, j'adore. Donc voilà, je suis hyper contente de mon achat. Alors, j'ai pris un truc totalement inutile, mais fun. C'est des limes à ongles de Noël. Vous avez un petit sapin et un petit bonhomme de neige. Voilà, c'est des 100 par 180. Comme ça, je vous en mettrai une dans chaque lot du concours. Moi, j'en aurai une. J'en mettrai une aux filles pour leur cadeau de Noël aussi. Voilà, c'est pas incroyable, mais c'est mignon. Alors, je me suis pris un truc que j'en ai vendu plein parce que je les utilisais pas et j'ai tilté il y a quelques quand j'ai passé commande en me disant mais pourquoi ça n'a pas gardé un, ça peut être très utile. En fait je me maquille ici en bas hein, mon teint et donc j'ai mes pinceaux de teint dans un gobelet là sur mon étagère de bureau et du coup j'ai pris un rangement, je sais pas comme si j'en avais pas eu 50 000, hein. J'en ai revendu plein de loups. Mais celui-ci il faut avouer qu'il est canon. Il est rose avec des petits carrés comme ça, en effet matelassé. Il est très, 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 très beau. Alors, il n'est pas très gros, mais c'est largement suffisant pour ranger mes petits pinceaux teint que j'utilise tous les jours. Et ça sert en même temps de peau. Et comme ça, mes pinceaux ne prennent pas la poussière. Donc, pour ranger vos pinceaux, ce qui peut être assez chiant dans ce genre de truc, il risque d'être plié. L'astuce, c'est les brush guards. Bon, moi, ça, c'est un pour les bobines de fil. Mais voilà. Bon, là, ici, j'ai pas un bon exemple parce que j'ai un double. Mais par exemple, je prends celui-ci. Donc, vous le mettez. On va faire les choses correctement. Hein. Vous le mettez autour de votre peau. Parce que là, c'est un large. Hein, c'est un très grand. C'est celui que j'utilise pour mes grosses bobines de fil qui étaient fournies et qu'on file. Donc, vous le mettez. Vous mettez vos pinceaux. Hein, voilà. Hop, hop. Hop, d'ailleurs, je vais tous les mettre, hein, parce que comme ça, je peux les ranger dedans. Mes goupillons, mon pinceau pour le teint. Donc, je mets toujours le côté plat posé, puisque comme il est déjà plat, c'est pas grave s'il s'aplatit. Et voilà, il suffit de remonter vos brush guards. Bon, là, il est accroché dans le truc des boutons. Ou alors, vous mettez un par pinceau, hein. Ça peut être aussi une alternative si vous n'en avez pas des gros. Mais au moins, comme ça, il se plie pas quand vous refermez votre bazar. Et voilà, j'ai mes petits pinceaux qui sont rangés et qui sont à l'abri de la poussière et des titis au passage, hein, parce que les titis
partie chipote un peu à tout ce qu'il ne faut pas. J'ai également pris ceci pour faire un crash test. Donc je vous montre, hein, mais je ferai un crash test après les vidéos d'Halloween. C'est pour faire des boucles sans chaleur et j'ai rigolé parce que c'est, ils appellent ça une pieuvre. Voilà, donc vous mettez ça sur votre tête, enfin plutôt dans l'autre sens hein, d'ailleurs, et vous enroulez vos cheveux autour de ça. Voilà. Donc je trouvais ça très drôle. Voilà, tout simplement. On verra si ça donne. Et les deux, si vous n'avez pas beaucoup de cheveux et tout ça, les deux de l'arrière s'enlèvent avec des scratchs. Et vous pouvez faire que trois boucles. Et ensuite, vous avez également l'élastique ici pour attacher vos cheveux, pour qu'ils restent attachés après. Donc, je trouvais ça très pratique. Et moi, j'aime beaucoup faire mes boucles sans chaleur le plus possible, hein, quand je sors de la douche ou des choses comme ça. Alors, le cadeau de ma nièce pour son anniversaire qui est le 30 octobre. Je vais vous montrer, c'est un bijou. Vu que j'ai commandé moi le collier ici avec la perle de naissance, la pierre de naissance, là j'ai pris un bracelet pour ma nièce parce qu'elle n'est pas très très collier, bracelet un peu plus. Donc il se présente dans une boîte comme ceci, elle est vraiment très jolie. Et alors il est emballé dans un petit pochon en plastique. Ici il vous explique la pierre, donc elle c'est de la tourmaline puisqu'elle est née en octobre. Et ça symbolise l'espoir, l'inspiration, le bonheur. Et c'est une pierre de paix. Voilà. C'est écrit en anglais, mais c'est facile à traduire, hein, ce genre de petites choses. J'ai du rouge à lèvres absolument partout. J'ai mes swatchs partout. Et donc, je lui ai pris ce bracelet. Attendez, hein, j'essaie de vous le mettre correctement parce qu'il est un petit peu tourné. Avec des petits cœurs en tourmaline. C'est ça, un tourmaline, hein, ouais. Et le sigle de l'infini. Voilà. Et je le trouve vraiment sublime. Il est vraiment très beau. C'est une petite top qui arrête pas de... Donc, je vais lui laisser dedans pour pas qu'il prenne l'air et qu'il noircisse. Voilà. Alors, je pensais le commander à la fin du mois, hein, puisque c'est le 30, donc j'avais le temps. Mais il ne restait plus que 3 exemplaires avec cette pierre-là en stock, donc je l'ai commandé tout de suite. Et pour terminer, j'ai reçu mes tissus. Hier, j'ai commandé des aiguilles en filage rapide sur Amazon. Je vais les avoir demain, je crois, demain ou après-demain. Donc, je remercie encore une fois mon dieu tissu, hein, voilà. Donc, j'ai pris du noir, tout simplement. Pour faire le haut de la robe de Noël et j'ai, si j'ai assez de tissu, hein, j'espère vraiment avoir assez de tissu, une robe de Nouvel An aussi à faire. Donc là, je regarde la matière. Et c'est semi-transparent. C'est ça le problème, c'est que... Ah oh oui, c'est bien transparent. Hein. Je ne sais pas trop quelle matière choisir en fait sur Internet puisque je ne connais pas assez en tissu. Justement, je ne sais pas s'ils sont transparents, s'ils sont souples, vous voyez. Donc là, c'est un petit peu transparent, donc faudra que je trouve une solution. Et alors, celui de Noël. Oh my god. Alors, je peux pas vous mettre le lien en barre d'infos parce qu'il est plus dispo. J'ai eu les derniers centimètres. Il restait 2,80 m, donc j'avais demandé 2,50 m puisqu'on pouvait pas mettre 2,80 m. Mais ils m'ont quand même mis les 2,80 m. Forcément, ils n'avaient pas gardé 30 cm. Et l'autre, j'ai pris 4 m. Parce que comme j'ai deux projets, mais du coup c'est un peu transparent. Alors regardez-moi ce tissu. Il est trop beau. Il est magnifique. Avec des bambis, bien évidemment. Et il s'appelle Forêt Enchantée. Ça lui va super bien. Et là, la texture, c'est vraiment ce que je pensais. Donc je suis contente. Ça va faire une très 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 jolie robe de Noël. Je suis contente, même limite pour l'automne, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et pour mon réveillon de Noël, ça sera très beau. Et là, j'espère avoir assez parce que pareil, il y a un DIY que je veux vous faire avec. Donc, on verra bien quand ça sera le moment.
Là, je vais ranger mes petits tissus jusqu'à ce que j'ai fini ma série Halloween. Et je verrai quand est-ce que je vais attaquer ça. Mais le tissu est sublime, je suis trop contente. Voilà, j'ai toute une pile de papier et de carton là à côté de moi. C'est un truc de fou. D'ailleurs, ça va là aussi. Ah, je mets tout par terre et après je râle parce que je dois me baisser pour tout ramasser et mettre dans la poubelle. Mais bon. Bon, sur ce, moi je vous laisse parce que maintenant il faut que je fasse le montage, que je mange et potentiellement aller à la sieste, ça serait bien. Et voilà, donc ensuite je joue. Alors, il est 7h43 et je vais me préparer pour aller filmer le premier make-up d'Halloween, enfin le premier de la journée. Parce que j'aimerais bien en faire deux aujourd'hui. De toute façon, je dois attendre que Georges rentre de l'école à 13h, donc j'ai le temps. Ben voilà. À demain. Non, je rigole. J'ai plein de choses à vous dire. Alors, je vais mettre un peu de gouttelette. Oh là, j'ai une mèche qui part en cavette. Qu'est-ce que hier j'ai oublié de vous dire. Alors déjà j'ai refait mes ongles parce que j'avais refait mes ongles la veille de les refaire. Et j'avais remis les strass et tout, et ça avait encore une fois pas tenu. En fait, je pense que c'est le top coat Emily qui est pas assez épais pour coller les strass, donc ça tient pas. Donc du coup, je les ai refaits, j'ai fait à peu près pareil avec le 4 size, sauf que j'ai fait en mauve et bleu. Et j'ai rajouté des water decals, dont un, alors vous le verrez mieux comme ça, je l'ai mis dans ce sens-là cette fois-ci, avec une tête de mort, avec un petit nœud, et voilà. J'arrive pas à m'en montrer, mais ça donne très bien, j'adore. Je crois que je vais faire ça souvent, mélanger deux couleurs de 4 size. Ça rend vraiment très bien, bon, très bien. Ensuite, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai dû recoudre. Donc on a récupéré le canapé là, la semaine dernière. En dessous, en fait, il y avait un petit trou dans la doublure. Et bébé Luna avait trouvé le petit trou, donc elle était rentrée dans le canapé. Et on en a chié pour la récupérer. Quand je les ai fait ressortir, donc pas hier mais avant-hier, j'avais mis une planche de bois en dessous du niveau du trou pour pas que Luna sache passer. Sauf que Queenie a réussi à passer et que du coup elle est en train de paniquer dans le canapé. Donc on a dû agrandir le trou déjà pour faire sortir bébé Luna. J'ai eu du mal à rattraper Queenie, il m'a quand même fallu 45 minutes pour la rattraper dans le canapé. Donc après j'ai passé une demi-heure à recoudre le trou du canapé. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de chichou dedans, hein, parce que je me suis dit si je recoue et qu'il y en a un qui est dedans, c'est un peu con. Mais toutes les conneries qu'ils peuvent faire, ils les font. C'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment des petits cons. Ce matin, c'est les titis. 5h30, je me suis levée et dès qu'ils me voient me lever, ils font la polka autour de la porte de la cage pour que j'ouvre. Mais ils n'écoutent rien. Ils écoutent rien, ils foutent un bordel sur mon bureau, ils essayent de se barrer. Si je passe à côté de la cage et que Sky est dessus, elle me saute dessus parce qu'elle veut rester près de moi, madame. Voilà. Bon, bref, j'adore. Le lien avec les titis, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que j'ai pas avec les chichous. Hein. Les chichous sont beaucoup plus indépendants. Ça, c'est quand vous en avez plusieurs. Hein. Ils préfèrent être entre eux plutôt qu'avec leurs humains. Eux, à partir du moment où on les nourrit, on les fait sortir et on change leur cage, ils viennent chercher leurs petites caresses une ou deux fois par jour, donc souvent le matin quand on se lève. Et quand on les fait sortir, là, quand ils sortent, ils attendent, enfin vous voyez pas, mais il y a la petite boîte en bois pour qui s'en servent pour monter et descendre de la cage. Ils attendent que je fasse les petites caresses. De temps en temps, ils viennent près de nous si on se met dans le canapé, ils nous sautent dessus et tout, mais ils viennent pas, ils sont pas câlins. Vous voyez ce que je veux dire, ils sont pas jouettes avec nous, ils sont pas câlins avec nous, ils se servent de nous pour sauter en fait. Hein. Mais à part les deux petites caresses quand ils sortent de la cage, ils sont pas très câlins. Tandis que eux, ils sont pas hyper câlins, hein, les adultes. Si quand ils dorment dans la poche. Là, ils aiment bien Sky par exemple, elle lève la tête pour que je la caresse. Mais s'ils sont de sortie et qu'ils sont actifs, espérez pas les câliner, quoi. Ils viennent chercher aussi 2-3 caresses, mais le reste du temps, ils jouent. Après, ils jouent avec moi. Ils regardent où je suis, ils regardent ce que je fais. C'est intéressant. Et par contre, hier, Sky avait changé Silver de place, donc le bébé mâle. Elle l'avait remis dans la pochette parce que j'ai changé leur pochette.
Mais elle avait laissé Suzy tout seule. Elle était toute seule, la petite pépette, dans le truc. Et j'entendais un bébé pleurer. Enfin, Queenie, quoi. Et je me dis, mais c'est quoi? Pourquoi elle pleure comme ça? Pourquoi il y en a un qui pleure comme ça? Donc j'ai été voir et elle était toute seule. Elle avait froid en plus, j'ai trouvé qu'elle avait froid. Donc je l'ai pris sur moi et elle s'est couchée ici dans mon col et elle me faisait des petits bisous, des gâtés et tout. Et je l'ai gardée comme ça pendant une demi-heure, faire des câlins sur moi. Elle dormait dans le col ici. Donc je pense que le lien avec Suzy sera encore plus fort que celui avec Sky. Les mâles, je sais pas trop, Shadow est plus indépendant, alors qu'au départ c'était l'inverse, hein. Au départ que je les ai eus, Sky était plus réservé vis-à-vis de moi, c'était plus Shadow qui venait en premier et tout. Maintenant c'est l'inverse, Sky elle veut tout le temps être près de moi, dès que je fais quelque chose, le premier truc qu'elle fait quand je me lève et que je me mets assise à mon bureau, elle vient tout de suite au coin de la cage là pour me dire bonjour et me demander d'ouvrir la porte. Elle est beaucoup plus après moi que lui. Alors qu'au début, c'était l'inverse. Mais après, ils se chopent chacun leur caractère. Et le lien est forcément pas le même avec tous. Hein. Il y en a qui sont plus indépendants que d'autres. Voilà, c'est comme les humains. Chacun son caractère. Je fais avec. Après, ils aiment tous les deux. Shadow est plus en confiance dans le genre. Si je mets la main brutalement dans la poche ou quoi, il va pas râler. Dans Sky, c'est une plus râleuse. Mais elle est plus collante aussi. Voilà pour. Je vais essayer de vous les montrer tout à l'heure, les bébés. Ils sont trop choupis maintenant qu'ils ont les yeux ouverts et tout. Ils s'intéressent. Suzy, hier, elle jouait un peu avec le cordon de mon pull. D'ailleurs, je vais l'enlever, ce cordon-là, parce que ça m'énerve. Il reste pas droit. J'arrive pas à l'avoir droit sur mon pull. Après, c'est un des jouets préférés des titis quand ils sont sur moi. Et voilà. Donc. Hier, je vous ai fait une story Insta pour vous dire que j'allais vous parler. On en sait un peu plus sur le meurtre. Enfin, on en sait. C'est les bruits de couloir parce qu'il n'y a aucune info qui circule. C'est un truc de fou. À part les journaux du coin, c'est même pas passé à la télé, quoi. Bon, maintenant qu'ils ont trouvé, ils ont identifié la femme, le buste de la femme. Apparemment, ils ont retrouvé les membres aussi. Voilà. Et ils ont arrêté quelqu'un. Maintenant, ça reste des spéculations, puisqu'il n'y a rien, j'arrive pas à trouver d'infos. C'est un truc de dingue, quoi. Il y a un meurtre, un corps décapité par chez nous, et on n'en entend parler nulle part. Donc, pour l'histoire. La jeune femme, c'est une femme de 40 ans. Portugaise vivant au Luxembourg, qui était serveuse avec un fils de 22 ans. Donc ils l'ont identifié grâce aux tatouages. C'est des membres de la famille qui ont reconnu les tatouages. Heureusement qu'elle était tatouée parce que sinon personne n'aurait reconnu. C'est pas évident, je suppose, d'identifier un buste. Et donc l'histoire, il y a eu plein de spéculations, d'histoires, c'était une histoire de prostitution, c'était une histoire de mafia, enfin, un tueur en série aussi qu'on a eu droit, parce qu'il y a eu deux cadavres de retrouver, mais l'autre c'était un homme de 45 ans, je crois, qui s'était suicidé, donc il était décapité aussi, mais c'est plus... Les autorités pensent que c'est plus par rapport à les animaux de la forêt qui auraient fait leur œuvre, voilà. Mais apparemment, c'était un cadavre qui traînait là depuis quelques mois et l'homme était disparu, porté disparu, et c'était connu qu'il était à tendance suicidaire. Donc c'est apparemment un suicide, mais ça n'a rien à voir avec la dame qui a été retrouvée ici. Donc en fait, apparemment, ça serait le mari qui aurait donc tué sa femme. Un homme marocain qui a demandé à cette femme-là, contre paiement, de l'épouser pour avoir les papiers et pouvoir vivre au Luxembourg. Il lui a proposé 45 000 euros. Donc, je ne sais pas si c'est la vérité vraie, puisque je vous dis, il n'y a pas d'infos qui circulent. Hein. C'est les on dit, hein, vous voyez, mais bon, pour les infos que j'ai, je vous les donne. Donc, il lui aurait proposé 45 000 euros, payé 20 000 avant le mariage et le reste après mariage. Sauf que après mariage, ça faisait apparemment plusieurs mois qu'ils étaient mariés, elle n'a jamais reçu les restes du paiement.
Donc elle l'a menacé de le dénoncer comme quoi c'était un mariage blanc. Et du coup, il l'a tué, décapité et démembré. Logique! Ben voyons, toujours on fait comme ça pour pas payer. Voilà, donc voilà l'histoire. Je trouve ça aberrant et scandaleux. Hein, bon, après, acceptez pas les mariages pour les papiers, hein, moi je vous le dis, parce que souvent, ça finit très mal. Pas forcément en meurtre, hein, on est d'accord, mais en principe, ça finit très mal. Un mariage doit se faire par amour, par nécessité, j'ai envie de dire aussi. La cousine de mon homme, par exemple, s'est mariée avec son homme, avec son conjoint avec qui elle était depuis, avec qui elle est depuis très longtemps, plus de 10 ans, je crois, qui est très malade, voire mourant. Et comme ils ont deux enfants, ils ont quand même décidé de se marier par nécessité, par amour, bien évidemment, hein, mais par nécessité également pour elle, pour si jamais il arrive quelque chose à son mari. Pour la protéger elle et protéger les enfants et tout ça. Parce que n'étant pas marié, ce qui est scandaleux, hein, même si vous avez un compte en commun, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais en Belgique c'est comme ça en tout cas, hein, même si vous avez un compte en commun, à partir du moment où vous n'êtes pas marié, même avec procuration, à partir du moment où il y a un décès des deux, le compte est bloqué. Vous ne pouvez plus rien faire, sauf si vous êtes marié. Je trouve ça aberrant, hein, parce qu'on n'est plus obligé de se marier maintenant. On peut vivre très bien sans être marié. Mais bon, moi je dis ça, je suis mariée, mais on s'est pas marié par nécessité, on s'est pas marié par, on s'est marié par amour, quoi. Donc voilà, mais on a quand même vécu 8 ans ensemble avant de se marier. Donc vous voyez que ça change absolument rien. C'est juste un papier en plus, voilà. Au départ, nous on pensait même pas se marier, mais. Enfin bref, n'acceptez pas ce genre de truc. Même si vous avez besoin d'argent, hein, je peux comprendre que ça peut paraître de l'argent facile, mais souvent ça finit très mal. Soit enfin, en principe c'est l'homme. Hein, une fois qu'il a ce qu'il veut, qu'il est marié, ben, la femme est un peu enchaînée à lui. Et souvent ils deviennent violents. Ils sont très souvent infidèles, puisqu'il n'y a pas d'amour dans le couple, donc ils sont très souvent infidèles. Et je parle pas d'expérience personnelle, mais d'expérience que j'ai vue auprès de proches à moi qui l'ont fait. Et enfin, c'était pas contre paiement. Moi, les mariages blancs que j'ai vus, c'était mariage blanc pour la personne qui voulait les papiers, mais pas pour l'autre. Vous voyez, l'autre, c'était de l'amour et elle s'est fait embobiner en quelque sorte. Mais ça finit souvent très mal. Après, les trois quarts ramènent toute leur famille chez vous et c'est vous qui les avez à charge parce qu'ils ne cherchent pas de boulot. Hein, voilà, il faut quand même. Donc, voilà. Un mariage, c'est pas fait pour gagner des sous. Ça coûte cher, par contre, ça fait perdre des sous, mais pas en gagner. Ça, c'est. J'entends que ça souffle, là. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Je vous dis, je ne trouve rien. Hier, j'ai passé 2 heures à chercher un peu des infos. Il ne se passe pas grand-chose. C'est pas tout à jour. Maintenant qu'ils ont arrêté quelqu'un, peut-être qu'on va en entendre parler au journal télévisé ou des choses comme ça. Mais je trouve ça honteux qu'on n'en entende pas parler, quoi. Après, c'est peut-être passé sur la chaîne plus locale. Mais on regarde jamais nous TV Luxe. Jamais. Mais c'est peut-être passé sur ces chaînes-là, même probablement. Mais j'ai pas trouvé de vidéo sur le sujet, quoi. Donc voilà. Je peux pas vous en dire plus que ce que je ne sais maintenant. Enfin, que ce que j'ai appris. Donc là, je vais me préparer pour aller tourner ma vidéo. Comme ça, j'en finis une très tôt. Et après, je peux. Mais j'ai un chat dans la gorge, j'ai mal la gorge, je suis en train de tomber malade. Hier à 9h30, j'étais au pieu. Et je me suis réveillée ce matin à 6h, mais je dors super mal en ce moment. Voilà, on va d'accord, il y a eu la pleine lune, là, mais ça fait plus d'une semaine que je dors mal. Faut que je rachète mes gummies chez Creutzwaft, mais il faudrait que j'y aille. J'espère recevoir mes rouges à lèvres Jolie Beauty aujourd'hui. Il a passé le truc de dédouanement. Donc ça devrait plus tarder, si c'est pas aujourd'hui, je pense que ça sera demain. Parce que j'aimerais bien faire les swatchs, hein. J'aimerais bien les recevoir déjà, parce que c'est toujours des sous qui traînent toujours dans la nature. Ouais, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire.
Je pense que je vous reprendrai entre mes deux make-up pour essayer de vous montrer un peu les titis, les bébés titis. Et voilà, les chichous viennent de se coucher. Bon, ils sont pas vraiment couchés, ils sont là au-dessus de la cage. Ça boude un peu, en ce moment ils boudent beaucoup les chichous, je sais pas ce qu'ils ont. En fait, ils ont juste envie que j'ouvre la cage et que je laisse vivre, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Oh, je sais pas si je vous ai raconté que j'avais retrouvé Gougou la semaine dernière à se promener dans la salle à manger. Parce qu'il avait réussi à ouvrir la barrière. Je sais plus si je vous l'ai dit dans le précédent vlog. Mais il avait réussi à ouvrir la barrière et il se baladait dans la salle à manger tranquille. Je n'ai pris de moi. J'ai vu un truc gris passer devant moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah là là, je vous jure. Hier, j'ai fait mes petits DIY encore de Noël. J'ai même pas fini ma série Halloween que je suis déjà occupée avec Noël. Mais comme ça, ça ne me traîne pas là, en fait. Hein. Et après, je peux ranger pour faire la vidéo. Et voilà. Maintenant, j'ai hâte d'attaquer la vidéo de couture de Noël. J'espère que celle d'Halloween va vous plaire. J'ai hâte que tout ça sorte. Bref. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je vous laisse là. Si jamais le facteur m'amène à rouge à lèvres, je vous reprends pour faire les swatchs. Si j'arrive à choper un petit peu les titis entre deux make-up, je vous les montrerai. Parce que aujourd'hui, il faut absolument que j'en enchaîne deux. Parce que demain, je ne sais pas filmer parce que d'Égypte vient. Et j'aime pas filmer trop tard. Hein. J'aime bien filmer tôt, moi. Et vendredi, peut-être que Emmy descend. Je n'en sais encore rien. Mais du coup, je ne pourrais pas filmer non plus. Donc, comme ça, je prends de l'avance. Bon, après, j'ai de l'avance. Hein. Je ne peux pas dire ça peut attendre. Hein. Mais là, il me manque 4 make-up d'Halloween. Et puis, j'ai fini. Donc, j'en ai déjà tourné 3 make-up plus la vidéo couture. Donc ça va, j'ai bien avancé quoi, j'ai presque ma semaine complète déjà. Mais là si j'arrive à en faire deux aujourd'hui, il m'en restera un, deux, que je peux faire le week-end. Comme ça après je suis tranquille. Pourquoi pas. Hein. Bon, allez, sur ce, pour l'instant je vous laisse. Soit on suit le jour, soit je vous reprends tout à l'heure. Je ne sais pas trop comment va se goupiller la journée. Voilà, il est 8h04. Voilà, et je suis en train de faire un masque. En fait, je suis réveillée depuis 4h ce matin, donc j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses déjà. Les titis m'ont réveillée, tout simplement. Je les ai entendus aboyer comme des tarés à 4h au matin. Je me suis levée voir ce qui se passait. Je me suis dit, il y a peut-être un bébé qui est tombé du nid et qui ne s'est pas remonté dedans ou quoi. Non. Bah non, en fait, c'était juste qu'elle qui voulait sortir. Voilà. Donc quand elle m'a vu descendre, elle a commencé à faire la polka dans la cage pour que je lui ouvre. Et après, ils ont fait des conneries, bien évidemment, hein, sinon c'est pas marrant. J'ai ramassé deux fois Shadow par terre quand même, parce que monsieur se met dans un des tiroirs et il saute par terre. Il me regarde, et puis poum, il saute par terre. Ah, je vous jure. Je vais essayer, je fais mon masque d'abord, parce que je viens de le mettre, donc je vais le laisser poser 10-15 minutes. Et ensuite, je prendrai la poche pour vous montrer les petits bébés. Les chichous dorment déjà, c'est étonnant, sur ce. Je ne les ai même pas vus ce matin, depuis 4 heures, je ne les ai pas vus. Bref, hier j'ai oublié de vous raconter, avant-hier j'ai changé le bac des blattes, parce qu'il faut les nettoyer quand même de temps en temps, hein. Et j'enlève les cartons d'œufs, donc les grosses, ça va, elles restent accrochées après, je scoupe le carton d'œuf au-dessus de la boîte propre, enfin, pour faire le transfert dans la peau quand j'aurai nettoyé, et elles tombent directement. Les bébés par contre c'est très chiant, ils restent bien collés au carton. Et ceux du fond, dans la litière, là, je dis, putain, ils sont tous morts, quoi. Tous les bébés sont morts. Et en fait, non. Et ils faisaient semblant. Hein, c'était trop marrant. Donc, dès que j'approchais pour les attraper, ils faisaient le mort. Et puis, après, quand je les mettais dans l'autre boîte, ils couraient. C'est futé, hein, ces petites conneries. Alors, je vais vous montrer les swatchs des trois rouges à lèvres Jolie Beauty que j'ai reçus. Donc il y en a un, le Haunted, que je voulais vraiment de la collection Sorceresse. C'est pas le même packaging, les autres sont comme ça. Donc, je vais essayer de vous montrer. Hop, hop, et hop. Voilà. Mais c'est le même produit normalement. Hein. Air Matte. Ils font 8 ml et celui-là, ah bah c'est pas noté. Bref. Donc j'ai d'abord pris le Blossom, qui est un rose, un nude rosé.
tout ce qui est plus basique. Moi, je les ai swatchés hier, hein, du coup, puisque je vous ai pas repris, et puis le soir, je me suis dit, merde, j'ai envie de les swatcher quand même. J'ai peut-être allumé la loupiote. Attendez. Oh, ça fait mal la gueule. Donc voilà pour le Blossom. Il est très joli. Bon, il n'a rien d'exceptionnel, hein, mais il est joli. J'ai le Amber qui est un orangé. Là, il faudrait que je swatche avec le Pumpkin Spice et le Tangerine Queen. Mais j'ai l'impression que c'est entre les deux. C'est un rouille comme ça. Il est superbe. Mais il faudrait que je fasse le swatch quand même des deux autres pour être sûr. Et le Haunted, c'est celui que je... Donc c'est le seul qui n'était pas en promo. Hein. Mais il est canon. Quoi qu'il a l'air un peu plus liquide que les autres. Et là, c'est un prune. Ouais, c'est un prune. Il est magnifique. Oh, j'ai trop hâte de les tester. Trop hâte. Voilà, donc les deux là, je les ai payés 2,95€ en promo quand même. Voilà, enfin, pièce. Hein. Et celui-ci, il était prix normal à 17,95€. Mais je me suis fait plaisir. Et ils sentent bon. Je sais pas trop ce qu'ils sentent. Peut-être un peu le caramel. Caramel ? Ouais, j'irai caramel. Alors attendez, je vais prendre une lingette pour les enlever parce que. Une fois qu'ils sèchent, sur la main, ils tiennent. Hein. Sur la bouche, un peu moins, mais sur la main, ils tiennent. Par contre, le rouge à lèvres que j'ai testé avec le coffret Chiglam là, et les noces funèbres, là, mon Dieu, il tient d'enfer. D'enfer, je suis trop contente parce qu'il est magnifique. Voilà pour ça. Donc, moi, je vais... laisser poser un petit peu mon masque et je vous reprends après pour vous montrer les titis. Je pense que je vais chercher deux rouges à lèvres, comme ça on peut comparer aussi les rouges à lèvres. Je vais chercher les deux Jeffree Star et quand j'ai enlevé mon masque, on fait les swatchs des trois pour comparer. Voilà. Mais j'ai oublié de vous dire ce que j'ai fait ce matin. Donc depuis 4 heures que je suis réveillée, j'ai fait sortir les titis pendant presque une heure. Après j'ai fait un gâteau à la banane. Voilà, parce que j'ai des bananes trop mûres dans le frigo. Donc j'ai fait un gâteau à la banane, puisqu'il y a des gens qui vient tout à l'heure, elle aura un bout de gâteau. Et j'ai fait tourner mon lave-vaisselle, j'ai rangé un peu le bordel, j'ai travaillé un peu sur mes montages. Voilà, tout est bien. Donc là, il est 8h09 et j'ai déjà fait une grosse journée. Je suis déjà épuisée. Voilà pour ça. Mais j'avais oublié de vous le dire. Mais le gâteau à la banane, j'ai hâte de goûter quand même. Je verrai si c'est... J'ai noté la recette, comme ça, si jamais c'est bon, je sais que quand j'ai des bananes trop mûres, je ferai ça à chaque fois. Après, j'aime bien les faire normalement avec des yaourts, des gâteaux yaourts, mais j'ai pas de yaourt, nature. Et bébé Kerel, ça. Bon, je reviens. Voilà, il est 9h45, hein, le temps passe, hein, le temps passe. Alors, je vais swatcher le Amber au milieu. Qu'est-ce qu'il fait, mon chien? Voilà. On va mettre à côté le Tangerine Queen de Jeffree Star. Mais c'est pas le même orange. Je m'en... Ah. Je m'en fous partout. Et de l'autre côté, on va mettre le Pumpkin Spice. Je suis contente, c'est pas les mêmes. Pas du tout, pas du tout. Bah, c'est des oranges, hein, mais voilà, c'est pas les mêmes. Donc, Pumpkin Spice, le Amber de Jolie Beauty et le Tangerine Queen de Jeffree Star, toujours. Voilà. J'en ai plein les doigts. C'est dégueulasse. Voilà, je suis contente. Oh, je vais essayer de choper les titis. Il y a Sky qui vient de re-rentrer dans la poche. Elle est encore descendue bouffer. Elle fait un peu que ça la matinée, oui. Elle va dormir une demi-heure. Elle les a mangé une heure. Elle fait bouffer de toute façon. Donc, je vais choper les titis. Et je vous montre les petits bébés.
Oh, vous dites, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Oh, c'est un sac de nœuds. Oh, c'est un gros sac de nœuds. Ben, c'est où? Oh, c'est bien vu. Oh, c'est un gros sac de nœuds là-dedans. Je vais juste éteindre l'anneau parce que les bébés vont pas apprécier. Pas du tout. Ça va, mes petits bébés d'amour? Oh, qui sont mes petits bébés d'amour? Oh, bébés d'amour. Oh. Arrêtez de râler. Arrête de râler, c'est maman. C'est maman. Bébé, pourquoi tu gueules? C'est maman. Oui, bah oui. Bah oui. Oui, ça fait du bruit, hein? Oui, hein. Mon petit chatou. Oh, mon petit pipi d'amour. Bah vas-y, pousse-moi, hein. Monsieur veut roupiller. Ils sont où les petits bébés? Maman avait montré les petits bébés. Ils sont où les petits bébés? Ça, c'est pas les petits bébés, c'est les grosses pistouilles. Hein? Oui, c'est les grosses pistouilles à leur maman, ça. Hein? Bah oui. Hein. Bah oui, hein. Ils sont déjà venus foutre le bordel. Hein? Mais pourquoi tu me gueules dessus? Oui, je sais que t'as envie de te foutre la paix. En fait, ça, c'est quand elle râle qu'elle a pas envie que je l'embête. C'est assez rare qu'elle me râle qu'elle me gueule dessus comme ça, mais voilà, avec les bébés, hein. Elle me pousse avec son nez, l'air de dire « Eh, laisse-moi dormir !» Bon, je veux juste montrer les tout petits bébés et après, je vous remets dans la cage. Ah, ils sont en train de téter, je crois, c'est pour ça qu'elle râle. Montre à maman, qu'est-ce qu'ils font. Je regarde juste ce qu'ils font. Ils têtent. Bon, ils têtent pas. Ça, c'est bébé qui râle. Qu'est-ce qu'il y a, mon chadounet? Oh, mon petit pépé. Lèche pas mes doigts. J'ai nettoyé avec la lingette. Lèche pas mes doigts. Tu me montres ce qu'ils font les bébés juste 2 minutes. Après, je vous remets dans la cage. Je vois pas du tout ce qu'ils font. Ils se couchent dessus pour pas que je les chipote. Montre à maman. Attends. Montre à maman qu'est-ce qu'ils font, petit bébé. Ah, je lui ai fait rien. Attendez. Là, c'est bébé qui râle. Et nous avons ici Silver. Attends, petit bébé. Alors, lui, c'est un râleur. Hein. Regardez, il a les yeux ouverts. Oh, il est gros chou. Il est gros choupignou. Oui, je te le rends, ma nénette. Attends. Je montre juste 2 minutes. Hein, et je te le rends tout de suite. Oh, petit bébé. Oh, j'ai petit pépé sa maman. Attends, Ryan. Attends, je vais te le rendre. J'essaye de choper Suzy aussi. Attends, lâche mon pouce. Lâche mon petit pouce. Voilà. Je puisse te tenir sans que tu tombes. Elle est où, Suzy? Qui c'est qui est accroché là? T'es accroché, attends. Elle est où, Suzy? Donc, je vous le remonte 2 petites secondes et puis je vais le remettre près de sa maman. Voilà, ça c'est Silver, c'est le petit pépé mâle. Et vous voyez, ils sont bien les yeux ouverts. Hein. Oui, voilà, on va près de ta maman. Je ne vais pas trop leur faire peur non plus, hein, parce que... Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Non, à chaque fois que tu me lèches, tu finis par me mordre. Je suis pas de la bouffe, moi. Mais oui, tu me lèches, mais après, tu finis toujours par me mordre. Bon, allez, je vais les remettre et faire rentrer Ryan, parce que sinon, il va me défoncer la porte. Non, je crois qu'ils vont sortir. Allez, hop, retourne dans ta poche. Va faire dodo. Oh, je les adore, ces petites choses. Allez. Je pense qu'on va switcher 2 jours. Alors, il est 7h30. J'ai mon teint qui est fait. J'ai plus qu'à me changer et à me coiffer. Et je vais aller filmer ma vidéo, puisqu'après, il y a Amy qui vient. Donc, comme ça, je peux être tranquille avec elle. Mais j'aurai quand même filmé ma vidéo. Vous voyez, de toute façon, elle vient que sur le coup de midi, donc 11h midi. J'ai du chou-fleur collé partout avec du chou de Bruxelles, avec les titis.
Du coup, je vais clôturer le vlog ici, comme ça on est tranquille après toutes les deux. Et moi, je peux faire ce que j'ai à faire, faire la cage des Titi, achever de préparer le repas. J'ai fait une soupe, alors j'espère que ça lui plaira. J'ai fait carottes, céleri, vanille. Voilà. Donc j'espère qu'elle aimera bien. Sinon, hier, j'ai reçu mes aiguilles de Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez deux sortes de... Alors attendez, je vais quand même vous les sortir, on va faire les choses bien. Hein. Il y a 48 aiguilles dedans, plus le petit pot, plus l'anneau qui sert de dé, en fait, de dé à coudre. J'arrive pas à l'ouvrir. Je vais pas les sortir non plus. Donc vous avez un petit pot comme ça, on est 26 gars. Ça se dévisse et vous rangez vos aiguilles à l'intérieur. Je trouve ça super qu'ils aient pensé à mettre ce genre de truc. Il y a le petit anneau donc que vous mettez comme une bague pour piquer l'aiguille, ça remplace le dé, mais je pense que c'est plus facile de faire comme ça. C'est le genre de truc que j'utilise absolument pas. Et alors normalement il y a deux sortes d'aiguilles. Ouais, vous avez deux paquets de chaque aiguille, donc il y a plusieurs tailles d'aiguilles. Vous avez ceux avec, c'est un petit U au-dessus, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc vous enfilez le fil dedans et après avec les petites sécurités là, bah, il ne bouge pas quand vous cousez, mais vous pouvez l'enlever de votre machin. Enlever le fil de votre aiguille. Et vous avez ceux avec un petit cliquet. Ah mais il y a le modèle au-dessus en fait dessiné, c'est peut-être, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc c'est un cliquet que vous passez le fil par en dessous. Donc là, le cliquet, et voyez ici, il y a le petit dessin. Et à chaque fois que vous avez plusieurs tailles d'aiguilles, ça c'est bien. Je vous remonte le dessin ici au-dessus. Voilà. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, si jamais ça peut vous intéresser, s'il y a des manuels qui me suivent. Voilà, voilà. Alors, hier, je me suis fait un plaisir, mais un plaisir de chez plaisir. J'ai enfin précommandé. Parce qu'il n'est dispo qu'en précommande. Les livraisons se font à partir du 15 novembre. Le calendrier de l'Avent de chez Glam Shop. Enfin! Bon, du coup, il est plus cher que ce que je me pensais. Donc, je ne prendrai pas le W7 qui m'intéresse moins que celui-là. Le Glam Shop, je le voulais absolument. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez le précommander aussi. Donc il est au prix de 97,22€. Alors je sais pas pourquoi ils font des prix comme ça. Je crois que c'est la conversion avec la monnaie polonaise, mais il me semblait que la Pologne fait partie de l'euro. Donc pourquoi ils sont pas en euros, je sais pas. Mais voilà, 97,22€ plus les frais de port, parce que vous n'avez pas les frais de port offerts chez eux. Qui sont quand même à 8,95€, je crois. Il me revient à 105€ le calendrier. Ce qui, en soi, n'est pas très cher, vu que ça revient à moins de 5€ le produit en 24 cases. Je crois que c'est un 24 ou 25 cases. Je ne saurais même pas dire. Et du coup, il disait, vu qu'ils font la livraison très tard, c'est cool parce que j'aurais même pas de spoil, puisque moi, je vais le recevoir à peu près vers le 21 novembre. Entre le 21 et le 25, on va dire. Et je commence à le déballer le 1er décembre. Je dis, cool, j'aurai pas de spoil. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas s'il vaut le coup, mais... Et j'en discute avec Manon, puis elle me dit, mais moi j'ai été voir, ben, j'y montre pas sur le site le contenu du... Elle dit, si, si, faut cliquer là. Donc en dessous du calendrier, la photo du calendrier, vous avez, c'est marqué tutage ou tujate, tutage, je crois. Si vous cliquez dessus, vous avez la photo du contenu. Donc bien évidemment, ma curiosité maladive a fait que j'ai été cliquer dessus. Donc j'ai été spoilée. Mais je suis encore plus contente d'avoir commandé parce qu'il a l'air terrible. Voilà, je suis bien contente. Du coup, j'ai trois calendriers de l'Avent à déballer avec vous durant les Vlogmas. Et ce sera bien suffisant. J'en ai deux de soins. Donc, je vous rappelle que j'ai le spa exclusif de chez Action. Le DM, là, le Balea de chez DM. Et donc, maintenant, celui-là qui va arriver. Donc, je suis contente, j'ai enfin eu mon calendrier de l'Avent Glam Shop. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul que je prendrai les autres années. Parce que, voilà, j'aime tellement cette marque, ça a vraiment été une de mes plus belles découvertes cette année.
je suis contente de pouvoir tester d'autres produits un peu que les fards à paupières. Moi, j'achète toujours ceux à effet, hein, les fards pailletés, duochrome, multichrome. Enfin, voyez, quoi. Là, il y a des fards mat, il y a une palette de teint, il y a des pinceaux, il y a vraiment beaucoup. Ils ont même mis une paire de fossiles et une colle à fossiles. Franchement, elle est très bien et je trouve que même les goodies sont très bien. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler si jamais il vous intéresse. Moi, je trouve que franchement, pour le prix, il vaut largement le coup. Alors vraiment largement. Et je suis très contente de l'avoir et j'ai vraiment hâte d'être au 1er décembre pour commencer à déballer tout ça. D'ici là, j'aurai oublié le contenu. Puis de toute façon, je ne sais pas dans quel ordre seront les contenus. Il y a deux palettes aimantées, je crois, pour mettre... il y a 16 fards en paupières à tout. Je suis en train de trop vous en dire là, je crois. Mais normalement, je crois qu'il y a les palettes aimantées avec pour mettre les fards à paupières mono. Voilà. Donc là, je vais aller tourner une de mes vidéos d'Halloween. Et après, il m'en restera deux que je vais essayer de faire demain. Comme ça, je peux enlever mon fond d'Halloween et préparer la vidéo couture de Noël. Puisque je vous l'ai prévu pour le mois de novembre. Hein. C'est, vu que c'est en collaboration, enfin en partenariat avec Mondial Tissu. J'ai une date limite pour poster la vidéo qui est le 13 je crois. Donc moi je vous l'ai prévu pour le vendredi 11 novembre. Comme ça, si jamais les modèles vous plaisent, vous avez le temps de commander les tissus et de faire votre pièce de toutes les collaborations qu'ils auront fait pour Noël cette année. Voilà. C'est un des plus beaux partenariats que j'ai. Voilà, je suis tellement contente de pouvoir avoir du tissu comme ça et pouvoir vous fournir des pièces uniques. Je suis trop contente. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vous donne pas le planning parce que... enfin, quoi que ce soit, là, il n'est pas... Je vais arrêter de donner le planning en fin de vlog parce que il y en a qui s'en servent pour avoir des idées pour leur vidéo à eux. Il y a aussi le fait que ça peut changer à chaque fois. Bon, là, c'est quand même régulier. Il n'y a pas de surprise. Donc, lundi, une palette à make-up avec la Edge of Opulence hein, puisqu'on continue l'ordre alphabétique. Mercredi à 16h, le Disney Challenge qui est sur le thème de Mulan. Et... à partir de vendredi. Donc vendredi, c'est la bande-annonce. Je me suis amusée à en faire une. Hein. Des vidéos d'Halloween. Et après, on commence les vidéos d'Halloween jusqu'au 31. Voilà. Sachant qu'il y a les deux vlogs quand même les dimanches. Hein. Ça ne bouge pas. Voilà, voilà. Donc vous avez quand même pour Halloween, donc la tenue d'Halloween, qui sera donc le samedi 22. Et ensuite, la semaine d'après, vous avez 6 make-up, plus le vlog, et le 7e make-up, le 31. Voilà, comme ça vous avez le planning de la semaine et d'Halloween. Demain, il ne faut pas que j'oublie d'aller faire ma prise de sang. Parce que ce serait peut-être temps. Je devais y aller la semaine dernière, mais je vous pas dit, parce que j'avais la flemme. Et bah voilà. Bah écoutez, moi je vais clôturer le vlog ici. Je vais aller tourner ma vidéo. Après, je fais ce que j'ai à faire. Nettoyer la cage des Titi. Hier soir, les bébés me faisaient des gâtés. Tout plein des gâtés, voilà. Les parents étaient en train de jouer et de foutre le bordel dehors de la cage, comme d'hab. Et du coup, j'avais mis ma main dans la poche, je les avais sur les genoux. Et ils sont venus se coucher dans ma main, me faire des bisous, essayer de se barrer aussi. Et puis, ils me grimpaient dessus et tout, c'était trop mignon. Mais je pense qu'avec Suzy, je vais avoir un lien encore plus fort que celui que j'ai avec Sky. Je parle, alors la poche, elle bouge. On voit même la cage, elle bouge. Bref, les chichous, toujours pareil. Ils bougent pas beaucoup en ce moment, ils sont un peu déprimés, je crois. L'automne ne les réussit pas. Bon, hier, ils sont pas sortis, donc c'est peut-être pour ça, mais j'ai fait une grosse sieste hier, j'étais crevée. Donc aujourd'hui, comme je vais pas aller à la sieste, je pense que je vais leur mettre, une fois que j'ai fini un peu ce que j'ai à faire trop dans d'autres pièces, je vais leur mettre la barrière et leur laisser toute la journée. Comme ça, ils font leur life. De toute façon, il y aura Amy qui sera là. Je vais rester en bas avec elle et comme ça, eux peuvent profiter. Si j'ai envie de courir, ils courent. Si j'ai envie de dormir, ils dorment. Enfin, vous voyez, ils font leur vie après. Après, il ne faut pas que je la mette trop tôt non plus pour que le chien ait quand même accès au canapé s'il veut faire sa sieste dans le canapé. Vous voyez. Et c'est emmerdant. Hein. Bref, bon, sur ce, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air,
de vous abonner si c'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. Ça monte, ça monte, ça monte. Je suis contente. Et donc, on se retrouve demain. Semaine presque classique à partir du 21, à partir de vendredi, les vidéos d'Halloween. Donc j'espère que tout le contenu va vous plaire. Moi je vous souhaite une très bonne semaine et je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.